Salut les amis, t'es heureuse? Non. On vient de vivre une expérience, une leçon de vie. En fait, ici à Paris, il y avait des... comment on peut appeler ça? Des charlatans de rue, on va dire. Ouais. Allez, des charlatans de rue. Qu'on allait les... Vous savez, ceux qui jouent avec les palettes, avec la petite pastille blanche, ils vous font des tours de passe-passe avec les trois palettes et retrouver la palette au bon endroit. Et en fait, nous, on s'amusait. Et pour les autres, on a trouvé... 6, 7, 8. Ouais, on a fait gagner de l'argent à plein de gens. On voulait pas jouer. On est parti plus loin. On en a vu un autre, pareil. On trouvait à chaque fois la petite pastille blanche. On a fait gagner d'autres personnes. Et dans un excès de confiance en soi, on s'est dit, allez, on essaye nous-mêmes. Et en fait, on était parti pour aller chercher de l'argent, on est revenu. Et dans l'euphorie, dans l'enthousiasme de se dire on est bon, on va gagner, dans l'excès de confiance en soi et dans l'euphorie, on est arrivé. Et on a perdu. Hein? Donc ça pique parce que c'est toujours blessant de voir que pendant. En fait, on n'avait pas perdu une seule fois pour les autres. Ouais, c'est ça. Et on arrive, nous, on joue, on perd. Voilà, donc le moral de l'histoire, c'est que parfois il faut prendre le temps, et après coup on s'est rendu compte qu'on a voulu jouer tellement vite avec un excès de confiance en nous qu'on n'a pas bien regardé, forcément ben, on a perdu parce qu'on a voulu aller trop vite. Et dans la vie c'est pareil, parfois on veut aller trop vite, on se trompe et on fait des erreurs. Prenons le temps de se concentrer sur ce qu'on veut faire également. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux parce que le métro est là. Ciao ciao.